Ils sont une vingtaine à participer à cette randonnée intitulée « Tous contre le cancer ». Merci à tous d'être là et puis ben en route, hein, on repart. Une initiative qui a pour but de montrer sa solidarité envers toutes les personnes touchées par la maladie, notamment pendant cette période estivale. On parle effectivement d'octobre rose, on parle de mars bleu, mais il y a tout plein d'autres de cancers, hein, le cancer du pancréas, les cancers, les tumeurs cérébrales, qu'on parle beaucoup moins. Et je trouve que voilà, il y a besoin aussi de montrer notre solidarité, notre soutien à toutes ces pathologies qui sont difficiles, qui sont des véritables parcours du combattant. Oh là là ! Cette randonnée a débuté hier à Velette-sur-Mer et fait au total 92 km le long du sentier du GR21. Ici, chacun va à son propre rythme et parcourt la distance qu'il souhaite. Je trouve ça génial. Bon, moi, je fais que cet après-midi parce que je suis hyper fatiguée encore avec les traitements. J'ai repris le travail, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est génial. En plus, c'est une ambiance formidable. L'activité physique, ça évite les récidives. Même quand on est fatigué, c'est pas la même fatigue que lorsqu'on reste à la maison fatigué par les traitements. Il faut faire de l'activité physique. C'est bien, par le sport, l'activité physique, d'arriver à penser à autre chose que cette maladie, quoi. Et voilà, à mon avis, c'est une très très belle course. Les randonneurs sont attendus ce samedi au Tréport pour la fin de leur périple. Une initiative qui pourrait être reconduite l'an prochain. Cette fois-ci, la totalité du GR21 pourrait être parcourue.